Durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de partisans polonais parvint à s'échapper des camps de concentration. Parmi eux, il y avait quelques juifs et d'anciens officiers polonais, bien organisés et solidaires. Ils réussirent à causer des pertes parmi les nazis. Durant l'une de leurs expéditions, ils trouvèrent un vieux rabbin, affamé, qui avait été laissé pour mort par les soldats allemands qui avaient tué toute sa famille. Un des partisans catholiques eut pitié de lui, lui donna à boire et à manger, et l'aida à se rétablir quelque peu. Ce rabbin n'était d'aucune utilité réelle. On le chargea donc de faire la cuisine et de prier pour la sécurité des combattants. Effectivement, ce groupe de partisans n'essuya aucune perte durant tout le reste de la guerre. Une fois la guerre finie, le groupe se dispersa. Certains retournèrent en Pologne, d'autres en Lituanie, d'autres devinrent des personnes déplacées errant d'un camp à l'autre, d'un pays à l'autre. Ceux qui s'étaient retrouvés en URSS, constatant que le gouvernement communiste ne leur était pas du tout favorable et les priverait de toute liberté, décidèrent coûte que coûte de franchir la frontière. Il fallait quitter le territoire soviétique de nuit. On leur avait dit « Vous devez traverser la rivière en hiver quand elle est glacée. De l'autre côté, c'est un no man's land. Vous y trouverez une cabane, celle d'un soldat soviétique chargé d'empêcher les gens de passer la frontière. Ils tirent surtout ceux qui bougent. Cependant, à 1h du matin, il quitte sa cabane, marche quelques kilomètres jusqu'à la cabane suivante où il retrouve un autre soldat. Les deux amis échange des provisions et des renseignements, puis le soldat retourne à sa cabane. Tout cela lui prend environ 2 heures. Pendant ce temps, vous pouvez vous réchauffer dans sa cabane, mais il faut absolument sortir avant qu'il revienne. Mais les partisans, il n'y avait que des jeunes. Les anciens avaient depuis longtemps renoncé à ce genre d'aventure et s'étaient résignés à rester en Union soviétique. Le seul qui voulut se joindre aux jeunes gens était le vieux rabbin. Une discussion agitée s'ensuivit. Laissons-le là, il pourra toujours se débrouiller ici, il va nous retarder, il ne pourra pas marcher aussi vite que nous. Nous l'avons déjà sauvé et avons fait pour lui plus que nécessaire. Mais un partisan chrétien s'exclama. Si nous le laissons derrière, nous sommes condamnés. Je ne partirai pas sans lui.
cher, il fut donc décidé de l'emmener. C'était une nuit terriblement glaciale. Une tempête de neige s'était levée. Le chef partisan avait vu juste. Le vieil homme ne pouvait pas garder le rythme, monter et descendre les collines enneigées. Plus d'une fois, ils furent obligés de ralentir pour atteindre le rabbin. Ils durent même le porter, bien qu'il fût très frêle. Il représentait néanmoins un fardeau pour ces hommes vigoureux qui regrettaient en silence de l'avoir emmené. Enfin, à 1h du matin, ils arrivèrent près de la cabane qui était maintenant à moitié enterrée sous la neige. Dès que le soldat sortit, les partisans, pratiquement gelés, se précipitèrent dans la cabane, chacun s'efforçant d'être plus près du feu pour réchauffer ses membres engourdis par le froid. Mais le vieux rabbin ne resta pas longtemps près de la cheminée. Il ouvrit un petit sac et en sortit une vieille chanoukia, toute rouillée. Puis il prit un morceau de ficelle, comme mèche, et quelques gouttes d'une petite bouteille d'huile qu'il avait miraculeusement emportée. Stupéfaits, les partisans observèrent le rabbin sans rien dire. D'une voix à peine audible, après avoir placé la chanoukia devant la fenêtre, il récita les trois bénédictions et commença à chanter « Mavros et Tsour ». Ce chant qui rappelle les miracles que Dieu fit pour le peuple juif tout au long de son histoire. C'en était trop. Le chef du groupe sortit de ses gonds et hurla. Éteignez cette lumière! Vous allez ramener le soldat russe en catastrophe! Et il va tous nous tuer! Le rabbin expliqua que c'était le premier soir de Hanouka. Qu'il n'éteindrait pas la flamme, qui ne devait durer, après tout, qu'une demi-heure. À ce moment, la porte de la cabane s'ouvrit violemment. Un immense soldat soviétique entra, leur intimidant l'ordre de mettre les mains en l'air. Il s'approcha du rabbin et lui dit « Moi aussi, je suis juif. Cela fait 6 ans que je n'ai pas vu de menorah. » Il embrassa le rabbin et se mit à pleurer. « Après avoir quitté la cabane, je me suis rappelé que j'avais oublié des rapports dans un tiroir. Je suis retourné et j'ai vu cette petite lumière. » Je n'en croyais pas mes yeux, une chanoukia dans ce no man's land, en pleine tempête dans ma cabane. Il rassura ses hôtes, offrit à chacun un grand verre de vodka, et ajouta « Vous avez de la chance que c'était moi qui étais le garde. Un autre soldat vous aurait tous tués. Je vais vous montrer comment traverser la frontière. Souvenez-vous de moi, rabbin. Priez pour que j'aie moi aussi un miracle de Hanouka et que je puisse rejoindre ma famille sain et sauf. » Stupéfaits et rassurés, les partisans suivirent le soldat, passèrent sans difficulté la frontière et une fois de l'autre côté, chacun prit un autre chemin. Le vieux rabbin se rendit en Israël
et raconta son histoire à d'autres survivants qui, à leur tour, me la racontèrent quand j'étais petit. Dans chaque ère spirituelle, le royaume du mal se renforce pour nous empêcher de servir Dieu et pour nous faire oublier sa Torah. C'est ce qui se passa à Hanouka avec la royauté grecque. Pour l'essentiel, c'est avec les mauvaises passions, les amours déchus, que ces forces négatives ont une emprise sur nous. Grâce à Rabbi Nachman, point de sainteté du peuple d'Israël, là où réside la lumière de l'amour du côté de la sainteté, on soumet ces attaques et l'on annule le mal. Ainsi, le miracle de Hanouka eut lieu grâce au Kohanim, aspect des Tzadikim, qui sont méritants de cette lumière. Et grâce à la fiole d'huile d'olive scellée au dessous du Kohen Gadol, le grand prêtre, en d'autres termes, même si les forces de l'autre côté impurifient toutes les huiles, allusion à l'intellect, l'esprit de tout un chacun du peuple d'Israël, malgré tout, Hachem béni soit-il à pitié de son peuple, et nous envoie dans chaque ère spirituelle un Tzadik authentique, garde l'alliance de la pureté à la perfection. Ainsi, son esprit est parfait, tout comme cette petite fiole d'huile pure cachetée du sceau du Kohen Gadol, allusion au tzadik, le point qui inclut tout. Avec cette force-là, le juste a le pouvoir de réveiller tout Israël. C'est de là que provient la lumière de Hanouka, que chacun allume dans sa maison. On reçoit alors une clarté spirituelle qui découle de ce point, de l'esprit du tzadik. Nous éclairons ainsi notre parcelle de sainteté. L'obscurité et les mauvaises passions, les amours déchus, sont annulés. Notre cœur s'attache à Dieu béni soit-il. C'est cela, Hanouka, de la racine Chinuch, éducation. C'est grâce à la lumière de ce point du tzaddik que l'on s'éduque et l'on commence réellement à servir Dieu. Ce point lumineux, si l'on peut le nommer ainsi, s'inclut en trois aspects. Le point du tzaddik, le point que chacun doit capter et apprendre de son prochain, le point que l'on reçoit en parlant avec Dieu, qu'Hachem nous donne le mérite de recevoir cette belle lumière grâce à la fête de Hanouka. Amen. Chag Sameach.